Alors bonjour, je vais vous préparer une recette pour les fêtes de Noël, bien sûr, le foie gras traditionnel. On peut le faire soit à base de vin rouge ou de vin blanc, ou à vin sucré. Alors vous allez prendre votre foie gras, vous allez le tempérer, vous allez le saler fortement et le poivrer. Et vous allez le sortir à peu près 1h30 à 2h avant du réfrigérateur. Je dis bien un foie gras frais et non pas un foie gras congelé. Vous voyez, fortement salé, poivré. Et vous allez le laisser 2 heures à tempérer sur le coin du fourneau dans votre cuisine. Entre-temps, on va préparer un vin chaud. Rien de plus facile pour les fêtes de fin d'année. On peut prendre un vin de Loupiac, des vins qu'on aime, qu'ils soient blancs ou rouges. On va le porter à ébullition. On va mettre un peu de graines de coriandre, du poivre, de la badiane anise étoilée, un peu d'ail, qu'on va couper légèrement. Vous voyez. Nous allons prendre de la cannelle, 20 g de sucre semoule, une petite cuillerée comme ça, à peu près c'est 5 g. Nous allons mettre 25 g de sel ou 30 g de sel. Le tout, on va porter à ébullition. Nous allons mettre des pelures d'agrumes. Alors, moi j'ai pris du citron et de l'orange. On peut prendre du pamplemousse, vous voyez, on peut prendre l'agrume que vous préférez. Orange, ça rappelle les fêtes de Noël. Une fois qu'on porte à ébullition, on va le flamber pour enlever cette acidité. Vous voyez, là c'est un bon vin, il y a très peu d'acidité. Vous le laissez à peu près 3 minutes frémir comme ça. Une fois que c'est fait, vous le retirez du feu et vous le laissez refroidir comme un thé, comme un fruit que vous avez poché. Là, c'est du foie gras tout simplement. Vous savez, les poires pochées, c'est pareil. Une fois c'est bien froid, dans un saladier, vous versez le vin et les épices, papier film, 3 jours au frigo et vous le sortez pour Noël. 3 jours après, notre foie gras. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année à tous et surtout un bon appétit.